Le véritable tournant dans l'histoire chrétienne est moins la mort de Jésus que la chute du temple de Jérusalem en 70. Il y a un avant et un après 70. Un avant, quand vivent Pierre, Jacques et surtout Paul, qui rédigent ses épîtres entre 50 et 60. Et un après, quand sont mis par écrit les évangiles puis les actes des apôtres, qui racontent les premières années du mouvement chrétien. Je crois qu'il est très important en tant qu'historien d'être absolument clair sur la chronologie et derrière elle sur les traditions que nous connaissons. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur les épîtres de Paul. Elles constituent les premiers textes à notre disposition écrit bien plus tôt que les évangiles, peut-être 20 ou 30 ans plus tôt. Donc les épîtres sont nos premiers documents. Mais avant elles, nous avons des traditions primitives qui nous permettent d'éclairer cette période tunnel. Après avoir étudié le plus attentivement possible les lettres de Paul, quand nous y juxtaposons les informations contenues dans le livre des actes, parfois nous constatons qu'elles s'accordent à merveille avec Paul et parfois qu'elles divergent énormément. Mais nous devons avoir à l'esprit que Luc écrivait une génération après Paul. luc écrit des choses et il écrit encore une fois je dis luc parce que c'est euh, la traduction si vous préférez le, le rédacteur des actes ça ne me dérange pas mais il écrit parce que il veut euh, raconter il veut transmettre une histoire une histoire qui n'est pas une, une petite histoire au sens euh, euh, de la légende ou, ou des petites histoires pour endormir les enfants euh, le soir mais euh, qui est une série d'événements dont il essaie de voir la continuité, dont il essaie de montrer la continuité, et le sens profond. Et là-dedans, euh, Luc s'inscrit complètement dans le, le, ce qu'est l'historiographie antique. Il s'agit là d'une construction de Luc qui veut donner une image linéaire des origines de la communauté de Jésus. En réalité, cette image a dominé l'histoire du christianisme pendant 2000 ans, pour une raison très simple, parce que l'œuvre de Luc est devenue canonique. Et par conséquent, le livre des actes des apôtres a été considéré comme le récit véridique des premières décennies de l'histoire chrétienne. Luc est un des plus importants pour l'histoire. Il faut à la fois l'admirer et un peu s'en méfier parce qu'il a une formation de grec, de rhéteur et d'historien. Mais c'est de l'histoire au sens de l'Antiquité, pas de l'histoire moderne. Mais quand même, il y a un certain souci de la recherche des documents, d'une recherche intellectuelle, d'une mise en perspective subjective. Et la subjectivité n'était pas critiquée dans l'Antiquité. Il nous dit au début de, de l'évangile de Luc, et, et ce texte est d'une extrême importance pour euh, toute considération historique sur le christianisme, il nous dit que puisque beaucoup ont mis la main à la pâte, dans le verbe grec épichiro on a la main, ils ont mis la main à la pâte pour euh, rédiger une, il dit en grec, une diégèse, c'est-à-dire un récit. Luc n'écrit évidemment pas comme le recommande Tacite, sans colère, avec zèle. Donc il n'écrit pas sans y mettre son cœur. Aucun écrivain de l'Antiquité, ni aucun écrivain moderne n'écrit sans présupposer. Luc écrit avec un point de vue chrétien manifeste. Il veut guider Théophile vers la foi chrétienne. Luc veut le convaincre. Il n'écrit pas avec la froide distance d'un historien moderne. On ne peut pas l'accuser de cela, ce serait mal de comprendre. L'auteur athéophile a écrit une œuvre en deux volets, à la fois l'Évangile selon Luc et le livre des Actes. Et à chaque fois, l'auteur de l'Évangile selon Luc et l'auteur des Actes s'adressent à. Euh, très cher Théophile, euh, qui semble être un personnage qu'il a euh, plus particulièrement à cœur. Donc quand on parle de l'auteur à Théophile, on désigne un auteur qui est celui de l'Évangile selon Luc et des Actes, sans risque de se tromper. Alors euh, le Théophile auquel s'adresse euh, l'auteur des Actes peut être soit un personnage historique, qui aurait répondu au nom de Théophile, qui aurait sans doute été un personnage euh, assez riche, euh, sur lequel euh, l'auteur des actes comptait justement pour diffuser son œuvre, parce qu'on sait que dans l'Antiquité il était fréquent que l'on euh, dédia une œuvre à un personnage euh, relativement aisé pour qu'il se charge d'effectuer de, les, co de les copies qui se faisaient dans un scriptorium avec euh, toute une équipe de scribes qui euh, se mettaient au travail pour euh, recopier une œuvre sous dictée en général. Alors c'est une possibilité, mais il est possible aussi que euh, l'auteur des actes se soit adressé à un personnage fictif auquel il aurait donné le nom de Théophile, dans la mesure où Théophile veut dire celui euh, qui aime Dieu, et euh, qu'il est euh, possible que l'auteur euh, des actes ait euh, souhaité que tout lecteur s'identifie lui-même à Théophile en tant que lecteur, lui-même euh, animé par l'amour de Dieu et désireux d'aller plus loin dans la connaissance qu'il en a. Désormais conservé à Cambridge, ce manuscrit copié vers le 5e siècle contient une version très ancienne des actes des apôtres. Mais l'on ne sait pas à quelle date précise a été écrit le livre des actes, puisqu'il n'apparaît qu'au milieu du 2e siècle dans la littérature chrétienne. Nous connaissons les actes des apôtres dans l'état où ils sont utilisés à partir de 160. Il est très frappant de voir que les écoles de, euh, de théologie qui existent à Rome entre 140 et 170 ne connaissent pas les actes des apôtres. Donc, il y a là quelque chose de curieux. Les actes ont existé, ils n'ont pas été inventés en 160. Ils ont certainement existé sous une forme ou sous une autre avant. Quelle peut être cette forme il y a dans l'évangile de Luc des traces assez précises de la fin du temple de Jérusalem, fin du temple en 70. D'une part, d'autre part, il est évident que le livre des Actes a été écrit après l'évangile de Luc et non pas avant, compte tenu des nombreuses reprises de formulations de l'évangile dans le livre des Actes. Donc le livre des Actes ne pourrait pas avoir été rédigé prioritaire euh, précédemment à moins qu'il ait été après-coup réécrit. Mais le livre des Actes ne porte pas, je dirais, des traces nettes d'un phénomène de réécriture, comme on le perçoit par exemple dans le quatrième évangile. Donc je pense qu'il y a eu, juste avant 70, la rédaction par Luc euh, à partir d'un premier travail fait par Marc à Rome. Il y a eu la rédaction d'un livre euh, à Antioche. Euh, qui est devenu la base de l'évangile de Luc, mais qui, qui ne réunit qu'un qu quart, en gros, de ce, de ce livre. Et juste après 70, la rédaction d'un deuxième livre, toujours par Luc, et ce, ce récit visait à compléter l'évangile par un récit simplement du ministère de Paul, à mettre en parallèle le récit du ministère de Jésus. Euh, récit très particulier et pas du tout euh, anecdotique, euh, plutôt symbolique qu'anecdotique. Et puis un récit du ministère de Paul, utilisant un schéma qui n'était pas utilisé à ce moment-là dans le récit de, de, de l'évangile de Luc, d'où l'idée d'un couple de, de livres entre Luc 1, Luc 2, Luc 1 qui serait un évangile et Luc 2 qui serait les actes. Luc est le premier qui, dans la rédaction de Luc-Acte, qui constituait à l'origine une seule œuvre en deux parties, dans la rédaction de Luc-Acte, affirme que l'identité chrétienne ne peut pas se comprendre en dehors de Jésus et Paul. C'est le premier à l'avoir dit. En ce sens-là, euh, Luc réalise en miniature le premier Nouveau Testament. Maintenant. Est-ce qu'il s'agit du même auteur Certains ont posé la question, pour moi il n'y a pas de doute. Mais il y a quand même des différences assez grandes, même d'orientation. Euh, la plus notable concerne l'exigence morale. Euh, dans l'Évangile, euh, être disciple, c'est effrayant, c'est presque impensable. Il s'agit de quitter son père, sa mère, même son épouse. Euh, c'est de radicalisme total. En revanche, dans les actes... Il semble qu'il rien de tel on garde sa maison euh, on accueille les gens euh, on s'occupe des pauvres mais c'est de la piété c'est pas vraiment du radicalisme. Alors là il y a une tension il y en a diverses autres mais je crois pas qu'elle soit suffisante pour dire qu'il s'agit de deux textes d'auteurs complètement différents parce qu'il y a trop d'indices grammatico stylistiques qui montrent qu'il s'agit du même ouais. auteur. Comme beaucoup de chercheurs, je suis convaincu que Luc a écrit la totalité des 28 chapitres du livre des actes. C'est le même style, les mêmes figures stylistiques, les mêmes caractéristiques théologiques. Il y a une telle unité dans le livre des actes que personne aujourd'hui ne doute qu'il est bien de la main de Luc. C'est une tradition euh, qui court euh, donc depuis, depuis les pères et qui n'a jamais été remise en doute. J'entends l'unité d'auteur entre l'évangile de Luc et les actes des apôtres n'a jamais été vraiment remise en doute. Tant le, le, le vocabulaire est homogène et les conceptions théologiques entre l'évangile et les actes euh, sont analogues. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on n'a aucun manuscrit qui ait conservé l'origine, c'est-à-dire livre 1 l'évangile, livre 2 les actes. Euh, tous les manuscrits que nous avons sont d'après la constitution du canon et mettre en relation Luc et, ma... et Jean 3 et 4 ou bien les quatre évangiles. Donc on n'a, à ma connaissance, pas de manuscrit qui euh, fasse succéder l'évangile de Luc et les actes. C'est très dommage. Alors naturellement, quand on parle euh, en exégèse du couple Luc-acte, on n'a absolument aucun fondement documentaire pour parler d'un tel couple. On associe, un, disons, un style qui apparaît dans les deux livres. Mais il n'y a aucun témoignage documentaire permettant d'associer les deux livres dans leur état où ils nous sont parvenus, comme on le fait d'habitude. Et à mon avis, on le fait d'une manière non pertinente. Les évangiles ont été réunis, édités ensemble. Acte est un complément qui a été ajouté dans un deuxième temps aux évangiles et pas du tout pris dans, comme étant une, une moitié de Luc. Si le rédacteur de l'évangile de Luc a au moins en partie écrit les actes des apôtres, il devrait être possible d'en savoir plus sur cet auteur, de préciser son identité. Je pense que personne ne peut dire, ne peut nommer l'auteur des actes. La tradition, euh, et on la retrouve par exemple dans, dans le canon de Muratori, ce fragment euh, qui provient de, de l'Église de Rome et que l'on date de, de 200 environ, euh, le canon de Muratori euh, déjà fait remonter euh, l'écriture de l'Évangile et des actes à Luc le médecin compagnon de Paul. Euh, en se basant là sur une mention des pastorales et une mention de Colossiens 4.14. Colossiens 4.14, vous avez les salutations de Luc, notre ami le médecin, et de Démas. Luc accompagne Paul seulement lors de son dernier voyage à Jérusalem probablement à partir de Philippe. Il le suit encore de Jérusalem à Césarée. En revanche, nous ne savons pas où Luc passe les deux années suivantes. Ensuite, Luc va à Rome avec Paul. Paul était déjà âgé. Il avait besoin d'un médecin pour l'accompagner après tout ce qu'il avait enduré. Bastonnade, flagellation, c'est bien compréhensible. D'ailleurs, durant cette période, Paul n'écrit pas d'épître. Mais ça ne veut pas dire, malgré, malgré les travaux de Martin Hengel, euh, récemment, qui essaye de sauver, au fond, l'historicité de ces rubriques, que euh, le personnage de Luc soit l'auteur de cet évangile. Euh, je pense plutôt que euh, la tendance du deuxième siècle, c'est de chercher des noms. Alors, pour chercher des noms, on puise dans le Nouveau Testament, et, et Luc était à disposition. C'est un personnage qui est mentionné euh, comme médecin euh, dans quelques épîtres, et il a été promu auteur de cet évangile. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer, malgré la tradition chrétienne, euh, sur un Luc euh, médecin, ou bien même ultérieurement, il deviendra un peintre. À Boston, on a un très beau tableau de Roger van der Weyden où il n'est pas en train d'écrire, parce que son livre a déjà écrit, il est derrière avec le taureau du reste comme symbole de cet évangile, il est en train de peindre le portrait de, de la Vierge, parce qu'au fond, on a, lui a attribué ses talents de zoographos, comme on dit en grec, de peintre, parce qu'il il raconte si bien euh, les histoires. Dans les actes des apôtres, quatre passages sont écrits à la première personne du pluriel. Tout à coup, le narrateur dit nous, comme si son témoignage était de première main, comme s'il avait été le compagnon des voyages de Paul. Les chercheurs voient toujours les choses d'une façon ou d'une autre. Certains disent qu'il est évident que Luc a été un compagnon de Paul et mettent l'accent sur les passages des actes qui utilise le nous. Nous nous sommes embarqués pour. Nous sommes allés là. Ce qui est différent de ceci s'est passé. Ils ont fait ceci. Ou ils sont allés là. En commençant à lire nous avons fait ceci. Beaucoup de lecteurs se sont dit, Ah, Luc est présent, il accompagne Paul à ce moment-là. Ces lecteurs, ils voient la preuve que Luc était un compagnon de Paul. Je ne suis pas certain de partager ce point de vue. Il reste envisageable. Mais je suis très déconcerté. Luc semble ne pas toujours comprendre la richesse théologique de Paul. On ne retrouve pas la finesse et le radicalisme des épîtres de Paul dans les derniers chapitres des actes. Alors il est possible que les passages en nous soient simplement un changement de style pour donner plus de vie au récit, ou encore que l'auteur utilise une source différente à ces moments-là. Dès lors, ces passages ne reflètent pas nécessairement le fait que Luc ait été lui-même présent. Luc est un grand voyageur, il regarde la terre depuis la mer, ses descriptions montrent qu'il est un familier des itinéraires maritimes, et qu'il aborde les voyages de Paul à partir de... De, de transfert maritime, et il a voulu par là même, au fond, inscrire son œuvre à la suite, oui, d'un itinéraire, d'une participation au voyage de Paul. Donc on aurait là, vraisemblablement, la trace d'une reprise d'un élément ancien, mais le maintien du nous euh, serait à comprendre comme un moyen littéraire qui euh, accrédite, au fond, le, le récit. Euh, ainsi déployé. Il y a un verbe dans le, le fameux prologue du, du chapitre 1 qui a un double sens. Au sens littéral, ça veut dire qui accompagne. Au sens figuré, ça veut dire qui suit attentivement et logiquement une recherche. Alors, à l'intérieur de, de, de la tradition des savants modernes, les indices, eh bien. L'auteur prétend avoir été le compagnon de ces événements, par, il a participé aux événements. Euh, presque tous les exégètes critiques disent qu'il faut prendre ce verbe au sens figuré, parce qu'il apparaît dans beaucoup d'autres prologues de l'Antiquité, signifie qu'il a suivi l'affaire et qu'il a bien examiné l'affaire. Voilà, il a bien suivi l'affaire. Euh, donc, ayant suivi l'affaire, il pourrait néanmoins être un compagnon de Paul. Il y a quand même des raisons, à mon avis, euh, déterminantes pour lui refuser euh, un âge pareil. Euh, son, sa connaissance de, de Paul, et de la théologie de Paul et des préoccupations principales de Paul empêchent d'en faire un compagnon historique. Une objection a été soulevée contre Luc par l'ancienne école de Tübingen, à laquelle appartenaient Bauer et, et Strauss. Elle consiste à reprocher à Luc de n'avoir pas compris le discours théologique de Paul ou de l'avoir travesti. Personnellement, je pense qu'il s'est tout simplement éloigné de la doctrine de son maître après un séjour assez long en Palestine et à Jérusalem, où il a reçu l'enseignement de la parole de Jésus. C'est seulement après cela qu'il s'est éloigné de la stricte doctrine paulinienne. Des traces de la doctrine de Paul demeurent cependant dans l'évangile de Luc, dans la parabole du Fils prodigue dans le discours de Pierre au Concile des Apôtres, voire dans le discours de Paul à Milet. Je dis souvent à mes collègues, si vous considérez à quel point des théologiens reconnus ont modifié radicalement leurs analyses en l'espace de 20 ou 30 ans, alors vous conviendrez qu'à côté d'eux, Luc était un enfant de cœur. Pensez au ministre des Affaires étrangères, M. Fischer. Quand il était étudiant, il a frappé un policier. Lui aussi, il a changé radicalement. On ne peut pas en dire autant de Luc. Quand Luc donne la parole à Paul il lui fait parler de la justification par la foi, qui est quand même au cœur des Épîtres aux Galates et aux Romains. Donc on peut trouver des traces. Mais euh, ce que l'on peut dire plutôt, c'est que euh, c'est plutôt une présentation euh, anecdotique de la pensée de Paul, que ce soit sur la notion de la justice de Dieu, que ce soit... Sur la conception du Christ, que ce soit sur la fin des temps, euh, c'est une version édulcorée un petit peu de Paul ou un peu euh, diffusion tout ménage. Enfin, ça, ça simplifie beaucoup. Alors, ça peut être voulu. Euh, je crois qu'il y a un certain nombre d'auteurs à la fin du premier siècle qui veulent faire populaire. Et certainement que Paul est une des harmoniques qu'on entend, euh, euh, qu entend retentir derrière les actes des apôtres, mais la théologie de Paul lui-même n'intéresse pas l'auteur des actes, et certainement pas euh, tout le caractère paradoxal de sa théologie, théologie de la croix, n'est-ce pas Luc a une théologie qui est une théologie de l'incarnation, Jésus est le Sauveur parce qu'il est venu dans le monde, ensuite la résurrection a un rôle fondamental. Et je ne crois pas que Luc s'intéresse à rendre compte de la théologie paulinienne. Maintenant, ça pose d'autres problèmes parce que euh, la présentation que fait euh, l'auteur à ou que fait Luc euh, de la. L'auteur des actes de Paul est une présentation avec laquelle Paul n'aurait pas été forcément d'accord en tout point, et en tout cas, le Paul qui est présenté dans les actes est beaucoup plus prêt au compromis que celui qui se donne à connaître dans ses épîtres, et d'autre part. Le, on sait par les épîtres de Paul, par exemple, que Paul était extrêmement attaché au titre d'apôtre, qui ne prend pas une telle importance des actes. Donc, il y a une série de, de décalages entre les données des actes et celles des épîtres de Paul, qui peuvent permettre de penser que la distance est plus grande que ne veut bien le donner à penser l'auteur des actes, entre lui et Paul. Moi, je n'en fais pas un disciple de Paul. Je ne fais pas un disciple de Paul. Vous trouvez ça dans tous les missels, les livres de messe, avec des, on dirait que Paul, Luc, elle était le, le, le compagnon de Paul, tout ça partout, pas, même dans la prière en église. Mais c'est mon avis, non. Quelqu'un qui aurait vécu en contact permanent avec Paul ne ferait pas de Paul un défenseur de la Torah, si vous voulez. Vous savez, c'est notre personnage. Le, le tendance, il a une tendance très nette. Il veut absolument montrer, c'est -ce que la continuité, la continuité. Et son Paul est un est un qui parle à la défense de la loi. C'est un bon observateur de la loi, un, un bon juif, etc. Vous comprenez Lisez l'épître aux Romains, écoutez, ça ne coule plus. Ça ne coule plus. Alors, donc là, il y, y a une tension. À mon avis, cet homme-là n'a pas vécu avec Paul. Ce n'est pas possible qu'ayant vécu en contact clairement, d'une personnalité telle que celle de Paul, il nous donne un, port, un tel portrait de Paul dans les actes. Je ne pas. On est dans une reconstruction complète de la figure de Paul, qui doit paraître comme celui qui est éternellement destiné à la prédication aux païens, celui qui est le bâtisseur des églises dans tout le monde méditerranéen, etc. Bon, donc quelque chose de très, très outré, je dirais, par rapport à ce que Paul nous livre de lui-même. Il y a effectivement euh, une mise en évidence excessivement forte par Luc du personnage de Paul. Euh, C'est un personnage qui, à partir du chapitre 15, éclipse tous les autres. Euh, et, je dirais, comme Luc est quasiment notre seul accès euh, à cette période-là de la première chrétienté, euh, d'autres personnages, euh, peut-être marquants, ont disparu dans l'oubli. C'est au fond... À mon avis, pas tellement une intronisation d'un Paul euh, qui n'aurait été qu'un obscur missionnaire parmi tant d'autres. Euh, C'est plutôt l'exclusivité du choix de Luc qui est à mettre en cause. Donc, euh, il ne crée pas artificiellement la grandeur de Paul, pour dire les choses ainsi, euh, mais il l'isole. Mais il l'isole. Le statut historique du livre des actes est pourtant très particulier. D'un côté, c'est un document unique sur l'activité missionnaire de Paul. De l'autre, ces informations ne coïncident pas toujours avec le témoignage de l'apôtre lui-même. Si au sujet du Nouveau Testament, à propos des actes ou des épîtres de Paul, on soulève la question ⁇ S'agit-il de documents d'archives ou d'un travail littéraire ?⁇ Il s'agit incontestablement de littérature. Quand on exploite une œuvre littéraire dans une perspective historique, on ne sait jamais ce qui est vrai ou faux. On ne on peut mener l'enquête qu'à qu partir de sources de externes à la littérature. la littérature, sinon on tourne en Vous rond. Vous savez, les actes des apôtres, bon, c'est tendancieux, tout le monde est d'accord à dire, c'est tendancieux. Les actes des apôtres, la tendance de Luc, c'est une danse harmonisante, il veut montrer que le christianisme découle du judaïsme sans erreur, Paul est un bon juif qui pratique la loi, etc. Bon, c'est arrangé, c'est évident. Mais nous n'avons rien d'autre. Et, et, et l'apparaître en fait assez, assez tendance, je pense qu'il faut la faire. L'apparaître en fait, à tendance, tendances, de obligé de nous servir des actes. On ne peut pas faire autrement. Ce que je reprochais peut-être à certains historiens, c'est de prendre les actes sans tenir compte, justement, de ces tendances. Et d'avoir une lecture un peu naïve des actes des apôtres, comme si c'était une sorte de chronique. Ce n'est pas une chronique, primitive. C'est beaucoup plus que ça. Il y, a une, il y a une tendance, il y a une, une démonstration qui veut démontrer quelque chose. L'histoire n'est jamais une restitution de faits, de faits euh, bruts, comme si on pouvait restituer des faits bruts. L'histoire est toujours une intrigue que l'on compose, résultant d'une sélection de faits, euh, résultant euh, d'une interprétation des épisodes. Euh, donc l'historien pose une intrigue et construit l'histoire. Luc travaille comme tout historien, comme tout historien gréco-romain, euh, pas plus subjectif, euh, pas plus sélectif, euh, pas plus orienté que n'importe quel historien de l'Antiquité. Donc, euh, les déplacements, ils sont tout à fait réels par rapport au message de Paul. Il faut en tenir compte et ne pas chercher, euh, pour se rassurer, je dirais, à les harmoniser. Euh, ils tiennent compte de la recomposition à distance d'une image, mais euh, je dirais qu'ils euh, doivent aussi nous conduire à éviter de, oui, de considérer que l'image que Paul donne de son discours écrit euh, est l'image exhaustive qu'il a donnée de sa vie je veux dire par là que les traditions recueillies par luc, euh, grand admirateur du héros paul, ce sont des traditions auxquelles nous nous n'avons plus accès. Euh, et qui pourrait historiquement affirmer que euh, le souvenir laissé par paul euh, est réductible à sa correspondance? Der Schreiber der L'auteur des Actes des Apôtres a rapporté certains éléments d'information que nous ne posséderions pas si nous n'avions que les Épîtres de Paul. Par exemple, Paul n'indique jamais dans ses Épîtres qu'il est citoyen romain. Dans la deuxième Épître aux Corinthiens, il raconte qu'il a été fouetté publiquement une punition impossible pour un citoyen romain. Donc, soit Paul n'était pas romain, soit il avait des tendances masochistes. Paul ne mentionne jamais non plus qu'il était fabricant de tentes. Or, dans l'Antiquité, dire qu'une personne venait de Tarse indiquait souvent qu'il avait un métier en relation avec le textile. À propos de Tars, est-ce qu'il est citoyen de Tars euh, Ça, c'est assez mis en doute parce que, bon, on n'en a pas d'autre attestation. Disons en tout cas que le seul témoignage qu'on en ait, c est, c'est le témoignage des actes. Pour ce qui est d'être citoyen romain, alors là, euh, on a une, une discussion plus, plus conséquente parce que d'un côté, euh, pourquoi pas pourquoi ne serait-il pas citoyen romain De l'autre, par exemple, le châtiment quand il est battu de verge, c'est le genre de châtiment justement qu'on n'applique pas à un citoyen romain. Donc pourquoi il aurait subi un châtiment pareil Puisque au contraire, sa citoyenneté lui donne le privilège de ne pas subir les châtiments qui sont considérés comme infamants. Un euh, citoyen romain, par exemple, était décapité et non pas crucifié, justement. L'intérêt euh, que me semble avoir Luc de présenter euh, Paul comme euh, citoyen romain pourrait être de montrer la légitimité du christianisme à l'égard de l'Empire, n'est-ce pas D'un côté, Luc est soucieux de montrer la légitimité du christianisme par rapport au judaïsme, raison pour laquelle euh, Paul doit avoir étudié à Jérusalem, doit être monté à Jérusalem tout de suite après sa vocation, doit n'avoir choisi des collaborateurs que parmi les juifs. Tite disparaît de l'horizon, n'est-ce pas C'est très intéressant. Et d'un autre côté, il peut montrer, en faisant de Paul un citoyen romain, que Paul était une personne légitime vis-à-vis -vis de l'Empire. Oui, parce que moi, il me semble, là, on touche un peu au but des actes. Alors évidemment, il y a des positions extrêmement diverses sur quel a été exactement le but des actes et pourquoi les actes s'arrêtent brutalement. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils s'arrêtent de manière assez brusque. Moi, je pense qu'il faut réentendre au début du livre des actes Jésus, le ressuscité, dire à ses disciples, Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors bien sûr, on peut penser que les extrémités de la Terre, pour un pôle, les extrémités de la Terre du monde habité, c'est l'Espagne. Je pense que pour Luc, les extrémités de la Terre, c'est le centre de la Terre. Et pour lui, quand on voit l'importance qu'il donne aux rencontres de fonctionnaires romains dans les actes des apôtres, on s'achemine lentement vers Rome. D'où, il me semble que le grand souci de Luc, quand Paul, qui est pour lui le héros par excellence, le porteur de la parole, arrive à Rome, son livre peut s'arrêter. Donc, ce qui importe à Luc, c'est de montrer cette continuité légitime entre le développement du christianisme jusqu'au centre du monde, c'est-à-dire jusqu'à Rome, à partir de ses origines euh, judéennes et jérusalemites. Et alors, dans cette perspective, ce qui est important c'est de voir la légitimation de l'apôtre et l'apôtre se déplacer de, euh, depuis Jérusalem jusqu'à Rome. C'est -ce très intéressant parce que l'auteur des actes des apôtres rattache Paul à Jérusalem comme Paul lui-même ne se rattache jamais. Pas? Il multiplie les voyages à Jérusalem, il multiplie les voyages à Jérusalem contre les informations que nous avons par les lettres de Paul elle-même. Et au fond, ce qui est important pour lui, c'est... Euh, l'histoire de la mission n'est-ce pas nous avons une histoire nous avons une histoire qui essaie de montrer la légitimité des développements missionnaires depuis la première prédication de pierre à jérusalem jusqu'à la prédication de paul à rome luc dans la première partie des actes souligne avec force l'expansion de cette communauté d'abord à jérusalem et par la suite à l'extérieur. Au début, il souligne que de nombreux juifs croient en Jésus, mais progressivement, il cherche à montrer que cet accueil de la part des juifs diminue, tandis que l'accueil des non-juifs, des païens, augmente. Et c'est la conclusion des actes des apôtres. D'ailleurs, à la fin des actes, Paul, conduit à Rome en tant que prisonnier, reçoit la visite d'une délégation de responsables de la synagogue. Di responsabili della eh, sinagoga di Roma. Convoca lui queste... Il, il essaye de les convaincre sur Gesù a partire des textes de la loi Paolo de Moise e des Prophètes. Euh, su Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dei profeti, tutta una giornata, e Luca dice: Alcuni si sono dit, lasciati persuadere, altri. Certains se sont laissés persuader, d'autres sont restés incrédules. Paul conclut, Voilà, c'est à vous que s'adressaient les paroles d'Isaïe. Et il cite le livre d'Isaïe, qui est plutôt négatif, car il dit que le cœur du peuple s'est endurci. Que leurs oreilles sont devenues sourdes, que leurs yeux se sont bouchés, leur cœur ne veut pas comprendre, ils ne veulent pas se convertir. Et alors, la dernière parole de Paul est la suivante. C'est aux païens qu'a été envoyé le salut de Dieu. Les derniers mots des Actes des apôtres marquent le revirement du succès de la parole de Dieu. L'évangile passe des juifs aux païens. Oui, je, je pense que. Il y a dans l'œuvre de Luc. Une double limitation ou une double... Euh, de manière réitérée, il signale euh, l'endurcissement d'Israël, qu'ils euh, ne comprennent pas, que le salut est pour les autres. S'ils n'entendent pas, il y a cette répétition trois fois au chapitre 13, 18, 28, s'ils n'entendent pas, je me tournerai vers les, vers les païens. Euh, C'est clair que... Euh, J'arrive pas à concevoir ces phrases-là écrites par un, un juif. Il euh, y a une, une charge de, de violence qui est comme si la construction de ce qu'il veut faire doit se faire aux dépens de quelqu'un d'autre. Il y a une dimension polémique. Euh... Moi, je la verrai dans l'ensemble du récit des actes, c'est-à-dire plus exactement dans l'ensemble du scénario que Luc fixe à la mission paulinienne, parce que la mission paulinienne adopte toujours le même scénario, euh, précisément à partir euh, d'acte 9, euh, Paul parle aux Juifs, les Juifs ne reçoivent pas son message, ou en grande partie, en tout cas, ne le reçoivent pas. Paul est soit dénoncé, soit jeté hors de la synagogue, soit menacé d'être lapidé, soit flagellé. Et sa prédication ne retient l'attention que d'une petite partie de personnes, soit provenant de la synagogue, soit plus exactement provenant des craignants dieux, ces païens intéressés et fascinés par le judaïsme, et qui participent à une partie des rites de la synagogue. Alors. Il y a effectivement la construction là d'une image qui se répète euh, de manière récurrente, un peu parfois jusqu'à l'ennui, euh, qui montre Paul dans le rôle de la victime, revenant continuellement à la synagogue et étant expulsé. Oui, c'est une construction progressive, je dirais, des Juifs dans le rôle des méchants ou des mauvais. Pas exclusivement, là encore, hein, parce qu'il y a toujours, toujours quelques-uns qui, et quelques-uns justement, un petit noyau qui va faire continuité, et qui va devenir petit noyau d'une communauté qui s'élargit, et qui, du coup, alors, va englober des Grecs. Euh, mais euh, cette, euh, ce scénario répétitif vise essentiellement pour Luc à dire une chose. L'intention n'est pas premièrement de dénigrer le judaïsme c'est de montrer que l'identité chrétienne doit se comprendre incontournablement dans son rapport à sa racine juive. Qu'on part de là. Et qu'il faut toujours repartir de là pour se comprendre comme chrétien. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que personnellement, moi, je, je me suis posé des questions sur le projet de, de Luc dans les actes des apôtres. Parce que, bon, le, les actes des apôtres, ce qui est classique, c'est de dire... Euh, voilà, Luc écrit euh, pour montrer euh, l'extension le... bon, de l'Église, ça c'est clair, effectivement. Les, comment le message, la bonne nouvelle se répand et comment elle se répand grâce, euh, grâce à l'Esprit-Saint. Donc, c'est un projet théologique. Et de montrer que euh, l'Église part de Jérusalem et que la bonne, la bonne nouvelle se répand de Jérusalem jusqu'à Rome. Donc, ayant atteint Rome. Euh, ça a atteint le monde entier. Bon, ça, c'est la présentation classique. C'est très bien, sauf que finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Paul pour arriver à Rome Puisqu'on sait que euh, la bonne nouvelle existait. La bonne nouvelle existait. La bonne nouvelle euh, avait atteint Rome avant que Paul arrive, puisque Paul lui-même écrit aux Romains. Donc. Euh, ça, c'est une première question. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire, voilà, on est passé des juifs aux païens Parce que souvent, ce n'est pas dit explicitement, mais très souvent, dans cette présentation que je viens de citer, de. Du projet des actes, l'arrière-plan ou l'idée qui est derrière, c'est que voilà, on est passé des juifs aux païens. Et enfin, on est dans euh, le christianisme universel, parce que vous comprenez, c'est juif, c'est euh, particulariste, etc. Eh Et bien, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça. Et au contraire, euh, Luc. Il y a lieu de se demander jusqu'à quel point il n'a pas écrit. Au contraire, pour montrer que la foi en Christ, elle n'existe pas sans le peuple juif d'où elle est sortie. Luc, à mes yeux, qui écrit dans, année, dans les années 80-90, écrit à une, à une chrétienté déjà séparée de la synagogue. On est après 70. La séparation a eu lieu. Je ne crois pas que les, les actes des apôtres soient écrits pour convertir des Juifs. Le portrait du judaïsme est trop appuyé, au fond trop noir. Mais ce que Luc veut montrer, ce qui est ainsi assez remarquable, c'est non pas la page est tournée, euh, le chapitre Israël est achevé. Euh, nous entrons dans une nouvelle phase. Nous constituons un nouvel Israël ou nous constituons le vrai Israël. Ça, l'affirmation du vrai Israël, vous la trouverez à Coubran. Vous ne la trouverez pas chez Luc. Luc conserve à Israël ses titres de noblesse et ne les récupère pas pour, n'en ne, dépouille pas le peuple juif pour les reporter sur les chrétiens, absolument pas. Luc, au moment où sa chrétienté a quitté la synagogue, réintervient constamment pour dire les racines du christianisme se trouvent là, là, c'est-à-dire dans l'histoire des promesses faites à Israël. L'auteur des Actes des Apôtres est le témoin de la fracture entre les différents courants du judaïsme qui résulte de la chute du Temple en 70. L'auteur du livre des Actes se veut l'historien du courant chrétien. Il est aussi son porte-parole. Évidemment, là où il y aura un peu plus de tension et de difficultés, c'est dans la mesure où une séparation de plus en plus nette se fait entre le groupe des disciples de Jésus et le reste d'Israël par le fait que des païens rentrent dans la communauté des disciples de Jésus. À mon sens, ce qui va de plus en plus accentuer la séparation entre disciples de Jésus, y compris disciples de Jésus d'origine juive, et euh, le reste d'Israël, c'est le fait de l'entrée de païens dans la communauté des disciples sans assimilation à Israël. On est 20 ans après la chute de Jérusalem. Le judaïsme n'est pas encore euh, rené de ses cendres de Jérusalem. C'est le moment où, précisément, on s'organise à, à Yamnia autour de l'étude de la Torah. Et pour centrer entièrement la vie juive autour de l'étude de la Torah et de la vie synagogale. Donc il est possible que les chrétiens à cette époque, surtout s'ils sont quelque peu éloignés de Palestine, les chrétiens du monde hellénistique, se soient dit que c'en est fini avec le judaïsme. Et donc ce n'est pas tellement là-dessus qu'on a besoin de se battre, mais beaucoup plus de faire comprendre à quel point euh, le christianisme. Dans sa forme paulinienne et d'annonce aux païens, est vraiment ce qui remplace le judaïsme. Bien entendu, Luc l'écrit d'un point de vue chrétien et il charge la responsabilité juive. Ce qu'il ne dit pas, c'est ce qu'on peut compléter en écrivant les blancs du récit à savoir que les chrétiens ont dû être très insupportables à certains moments. Parlent justement leur revendication de situer un Dieu qui intervient dans la résurrection de Jésus euh, et une révélation qui, du coup, euh, n'annule pas, non, mais éclipse justement par son éclat euh, l'histoire passée. Oui, ils ont dû être euh, euh, parfois insupportables, euh, difficiles, etc. Mais c'est là encore la signature d'une rupture indésirée. Euh, que Luc veut placer au bas de son récit. Donc il y a tout un, un côté tragique dans l'œuvre de Luc, comme dans l'évangile de Jean. Euh, c'est le deuxième grand problème du christianisme primitif. Le premier, c'est la mort de Jésus sur une croix, alors qu'il euh, apportait une bonne nouvelle. Puis le deuxième grand problème, à euh, grande écharde dans la chair de ces premiers chrétiens, c'est. C'est finalement le peu de succès qu'ils ont rencontré à l'intérieur même euh, du monde juif. Et ça explique aussi leur violence, qui est une violence euh, rhétorique qui est commune à pratiquement tous les mouvements religieux de l'époque. On, on, on se calomnie et on s'attaque avec une extrême violence, mais en même temps, ce qui est tragique, c'est que ce qui était voix d'une minorité deviendra plus tard la voix d'une majorité. Une fois encore, pour retracer l'histoire primitive, les seules archives sont les textes chrétiens eux-mêmes. À l'intérieur du Nouveau Testament, les épîtres de Paul jouissent du plus grand crédit à cause de leur ancienneté et de la proximité qu'elles ont avec les débats des premières communautés. Mais l'importance du rôle de Paul n'apparaît que plus tard, quand ses lettres sont rassemblées et divulguées au début du deuxième siècle. Quand se pose la question de la séparation entre judaïsme et christianisme,